Match-up de merde qu'on a! Oh là là! C'est une game de Mercure, ça. Hein. Il a stacké son mana flow, c'est ça qu'il a fait. Bon, le match-up face à Cassio est un des pires match-up de Naafiri. On va voir ce qu'on peut faire. Il peut one-shot mes chiens et je peux rien y faire. Adieu, mes chiens. Je sais pas ce qu'il fout, ça me va moi. Normalement les Ellie ça fait pas trop les Raptors, normalement. Ah bah, en son, je diffamation. Jure un Zixbot qui meurt, les gars. Surpris ou pas? Jure un Zixbot qui meurt. Très bien. Ouais, j'ai 15-16 d'avance, un level presque entier d'avance. La wave était mal gérée en plus en face. J'ai pu être tranquille dans ma lane. Oh, c'est tranquille. Oh, il me faut des bots dans ce match-up. J'ai pas le choix. Alors, top ça gagne. Bot c'est Ziggs. Jungle c'est bien. Le ref il a pas l'air à l'aise contre Naafiri. Hein. Dommage. Oh, j'ai Eclipse là. Nice. En train de se turbo-stomp cette game, on dirait. Oh! Bon, je perds une grosse wave mid. La lead majeure que j'avais part pas en miettes d'un point de vue XP. Mais... Enfin, si part en miettes d'un point de vue XP, mais pas en gold. Et c'est dommage parce que là, j'avais un level entier d'avance et j'aurais pu vraiment lui chier à la gueule. Vu Hydrovoras Black Cleaver, j'avais envie d'essayer, mais je pense que c'est. J'ai envie d'essayer ça dans des matchups genre Z, des trucs comme ça, tu vois. Des matchups où je pense que je peux pas gagner avec Eclipse. Hydrovoras Black Cleaver, ça peut être pas mal. Top à 36 d'avance. La TP qui va le tuer. C'est effrayant. Le problème c'est la bot lane et pick Ziggs. J'en ai un peu ras le bol de voir des pick Ziggs en bot lane. 0.5, 0.7, 1.9 là, c'est très effrayant. Rel en backup sur la mid lane. Ah, j'ai loupé mon Q. Chien! J'aurais pu avoir le doublé. Moi j'aime bien Hydrovoras Black Cleaver, mais je trouve qu'Eclipse, le shield de carry tellement de situations. Rien que là, les dégâts bloqués 205, ça a l'air ridicule, mais j'ai survécu avec 3 HP. Je prends le 1v2 et je gagne quasiment le double kill grâce à l'Eclipse. Hydrovoras, ça te donne du sustain, certes. Ça c'est vrai aussi. Faut le garder en considération, mais. Je sais pas, je trouve l'Eclipse tellement forte. En plus, avec le proc du Q, il envoie un Q devant. Et là, ça proc l'Eclipse et derrière, tu peux les ramener vers toi. En fait, ce qui est bien, et c'est là où on a l'avantage, c'est qu'ils ont pas d'AD carry. Et que nous, on a certains Ziggs, mais on a un Yone. Même si je suis en 4-0, le matchup est dur là. Parce que essentiellement, il a trop de backup. R pour révéler la vision, ça c'était du cocon au début. Normalement je devrais pouvoir hard carry cette game. STP man. Fasse gaffe quand même. À ne pas mourir en side lane comme un bouffon avec mes 8000 gold. Tente pas mec, vraiment tente pas, tu te fais arracher. Ouais c'est mieux. Tu te faisais arracher frère, si tu prenais ce 1v1 tu te faisais arracher. Avec ton vieux Garen. Ils ont un shutdown mais c'est effrayant. Okay. Il court vite hein, le Garen, il court vite hein, ce chien avec son phase rush. Il y a deux doigts d'acheter une QSS plutôt que Exrinker. Il y a cocon ult, mais il y a tellement de CC. Je peux pas rentrer dans les fights en première intention moi. Et le problème c'est qu'il y a personne qui rentre dans les fights à part Yone. Vraiment pas peur hein. Là pour avoir des Mercure, s'il lui a un spell shield avec sa Rek'Sai, on est trop content. Ah. Risqué, bref.
sont mes chiens. Je sais pas pourquoi je le sens pas ce call maintenant que l'Azira a run down. Pas trop ce call maintenant que l'Azira a run down. Ah! Parce que l'Azira a run down et que l'autre a pas tué le jungle, ils ont un vrai coup à jouer. Et ils ont fucked up la tempo, ces deux bouffons là, lui et lui. L'un qui était en train de taper mid avec Yone et l'autre qui est parti mourir sur le Karen pour être sûr d'avoir une chance pour gagner. C'est un peu chiant parce que là c'était Frina, je finis toujours, on termine la game. On pique s'essouffle face à leur compo. Ils tenaient 1000 gold, As Seraphine, c'est pas le plus grave. Alors par contre, vous n'allez pas face check là-bas. Vous êtes des bots intermédiaires, les refs. Je vais vous prendre par la main, vous montrer tout ce qu'il faut faire, une chose à la fois. Juste une chose à la fois. Faites attention ici, parce que c'est une Illise et un Garen, niveau court dessus, vous êtes que deux, vous n'avez pas de CC. Jouez slow, tout va bien se passer. Non, j'ai n'allez pas plus loin, on prend la vision top side. Oh alors là, la chatte de la Cassio. Oh, oh la chatte du R qui touche, alors que le Yone est en train de diriger vers le bas. Mouais. Oh non, il se fait sauver la vie. Dommage qu'il y a que des petites sassa dans ma team qui lance pas de spell. En de petites sassa là. Il va bien péter les couilles lui avec son champion de mort. Allez l'équipe, ils ont scale un peu là, ça fait un peu peur là. Juste que j'ai peur de ça là. Oh là là. Faut vraiment qu'ils arrivent à ne pas run down, mais ça c'est compliqué je pense pour eux. Moi mon ulti c'est de la prévention encore, c'est pour... Oh le niveau de jeu, effrayant. J'aurais bien voulu faire l'instanache mais j'y crois pas du tout. Rien faire les refs. Ah, j'ai pas pu Zonia parce qu'il m'a stopwatch. Nice. Brave Yone, faut aller se faire foutre. Ah, peut-être qu'il peut finir la game, non? End the game, non? Terminé cette game! J'ai pas pu stopwatch, j'ai trop le seum. Il m'a silencé R! J'ai pris 90% de ma vie! Allez, l'équipe! Y'a qu'une rail en face. Allez l'équipe, y'a qu'une rail. Tapez! Finissez cette game! Terminez la game. Oh l'enfer, ils vont pas finir. Facile! Facile! Mid gap, facile! Run down. Afiri, 100% victoire en stream. Top damage? Oui! Ils ont fait un peu peur avec leur composition de fou là. Cassio, Seraphine, rail. Oh les ultis qu'ils lançaient.